Oh. Eh ben, ça pique, hein. Tous ensemble, combat. C'est ça parti. Ok, bon, je suis là maintenant. Ah. You again, old man. Ouais, ouais, c'est la puce, ça. Pareil que ma nouvelle tenue est en feu. T'as des infos sur le lieu? Oui, on est dans les égouts. Si t'as d'autres questions, je serais ravi d'y répondre. Et ça s'appelle les grands égouts. Échappé belle. Me semblait pas avoir vu de dialogue après le grand cristal qui t'épait et mange les gens. Non, c'est ça, t'es Donc globalement, t'es envoyé dans des mondes parallèles. Ok, c'est parti. Ok, t'es dans un monde pourri. Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup cette ambiance... Révolution industrielle. Je trouve que c'est très adapté à mon armure. Enfin, un peu de répit. Et je pense qu'on va passer la semaine sur le jeu parce que pour l'instant, je m'amuse beaucoup. Ok. Pas le moment de... Donc c'est très très bien. Au niveau des performances, tu vois que certaines critiques sont fondées. Genre, si j'ouvre le menu, que je clique le menu, t'as une baisse de FPS qui est visible. Mais on verra ce que ça donne pour la suite. Pas ouf comme quartier. Nah. Oups. Enlever ton chapeau. Putain, si tu vas dans l'eau, je sais plus. Comment ça, niveau 2 médecin? J'étais pas déjà niveau 2 médecin? C'est fini. Je suis niveau 3 médecin. Ok. Bug de texte, ouais, probablement.
Pareil, je m'attends à ce qu'il y ait un patch qui sorte demain pour corriger certains soucis, ce genre de choses. Enfin, malheureusement, le bullshit habituel de notre époque. Ok. Enfin, c'est pas le moment de paniquer. Les 15 dernières années, donc bon. Ah mais non, mais non, mais... Oh! Oui, je suis attendant de ce qu'on a. Ok. Donc, nous disions. Ouais. Ils sont nombreux, ils sont sacrément vénères. Mais je pense que je joue en difficulté plus élevée que sur le 1. Quand je serai sur le PC, je checkerai s'il y a pris le bon moment. Ah, ça marche, merci pour le clip en tout cas. Ouais, l'app est pas terrible et elle est pire sur console à ce qui paraît. Ils arrivent. Encore ? S'ils étaient partis ? Oh, quel enfer. J'aime les animations des ennemis. Oui. Oh. Mais les animaux ont l'air cool, hein. Dire, en dehors de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que quand t'ouvres et que tu fermes le menu, ça lague un petit peu, le reste est vraiment bon pour le moment. Dire, c'est plus nerveux que le 1. Mais encore une fois, c'est peut-être aussi la question de difficulté. C'est plus réactif que le 1. C'est vraiment top. Ah, il va me falloir davantage de munitions aussi.
genre beaucoup plus. Bon, ben au boulot. Et c'est parti. Ouais. Grog? C'est toi, Grog? Ah. Cette cartouche. Plus de cartouche. Fragment de relique, durée des consommables. Et allez. Jamais vous me lâchez en fait. Un poil déçu. Ok, c'est parti. Sérieux? Encore un? Avec quelle munition? Ah.
Wow. Non, descends, bordel. C'est fini. Bon, petit à petit, hein. Mais ça se fait. Super. Ça faisait longtemps. Par contre, si ça c'est la tronche des mobs, je serais curieux de voir le boss. Wow, c'est vachement profond ici. Ok. Ah, juste faire un truc avec l'échelle. Ok. Donc tu peux pas sauter de l'échelle. Si tu peux. Ok, t'appuies sur Alt. Alt et tu lâches l'échelle. C'est bon à savoir dans les petits moments de panique. Oh, si tu réagis pas, moi je vais abuser. Et il réagit. Ok, donc cool. Il y a des zones qui apparaissent pas sur la map avant que tu rentres dedans. Et on a un boss là-bas. Oh,
Ah, bordel, pourquoi je vais là, moi? Akta, je réitère mon invitation à faire une coop. Hein. Wow. J'ai 9 balles. Faut que je fasse quoi avec 9 balles? Oh, attends, pardon. Hop. Voilà. J'ai 90 balles. Bon, plus la mitrailleuse. C'est pas bon. Pardon du divin. Tous les dégâts que vous infligez sont réduits de 10%. Applique 50% de tous les soins reçus aux alliés. Eh, hey, cool. Comment j'enlève un anneau? Retirer, F. Je vais supposer qu'on peut pas réellement aller en bas. $90, tu peux te faire un resto quelque part très sympa. Pardon, tu peux te faire quelques restos très sympas. Oui, sauf que là c'est moi qui ai au menu, donc c'est pas terrible. Ah, définitivement pas humain. Ah oui, effectivement. J'aime beaucoup l'animation de saut, ils sont encore partis super loin. Ils arrivent. Fais gaffe, c'est dangereux ce truc là. Bah non seulement tu sautes loin, mais en plus tu fais... Ouais. C'était chaud. Bon. Boulot. Thank you.
était temps que ça s'arrête, hein. Et c'est parti. Oh, la vache! Ah, un point de passage. Oh, alléluia. Sacré donjon. Hein. Les reliques peuvent remplacer votre cœur draconique et vous offrent des avantages spéciaux uniques, équipés dans l'emplacement de reliques de votre inventaire. Placez des fragments dont les reliques améliorent leurs statistiques. Vous pouvez trouver ces fragments dans les différents royaumes ou les acheter à Dwell au service 13. Oh, cool. Très très cool. Je suis tellement personnage secondaire d'Hellboy. Oh, moins cool. Ok, c'est parti. Nope. Ok. Ok, on peut oublier la survie là-dedans. Le roi bouffi avec le trait robuste, c'est ça?
petit peu. Il est que mid-life. Je dois mal m'y prendre, il y a un truc que je dois pas faire correctement, c'est pas possible. Retourner au service 13. Les engrammes sont des objets rares et étranges qui peuvent être apportés à Wallace pour qu'il les étudie. Ok, je me souviens pas en avoir looté un, mais pourquoi pas. Te revoilà. Ah cool, ils ont déplacé le cristal. Tu es en vie. Ouais. Que s'est-il passé? Beaucoup de choses, j'en comprends pas la moitié. Peur d'activer la pierre, là. Je savais qu'il mijotait quelque chose. Je veux dire, qui d'autre que lui voudrait visiter le vieux service, hein? Écoute, je suis désolé que tu te sois retrouvé impliqué là-dedans. Alors, que s'est-il passé? Clémentine est arrivée et quelque chose dans la pierre l'a enlevé. Quoi? Clémentine? Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Je ne l'ai pas encore trouvé, j'ai juste besoin de provisions. Pardon. C'est juste que Clémentine, elle est très importante pour nous tous. Il faut la trouver. Je vais réunir tout le monde. Si elle est passée à travers la pierre monde, alors elle peut être n'importe où. J'aurais besoin de toute l'aide nécessaire. Comment? Elle pourrait être n'importe où, même sur d'autres mondes. D'accord. Je vais aller voir Brabus et Riggs. Je vais leur dire de... Mais qu'est-ce que je fais? J'en sais pas plus que toi sur ce qu'il y a dehors. Je ferais courir un risque à toute la ville. C'est pas ce que Clem voudrait. C'est déjà un miracle que t'aies réussi à revenir. Je suis désolé. La ville fera tout son possible pour t'aider, mais... Je peux pas demander à qui que ce soit de sortir. Nous allons devoir compter sur toi pour la trouver. Est-ce que c'est d'accord? Ouais, tout à fait apprécié. Merci à toi. Parle aux gens en ville. Ils devraient avoir tout ce dont tu as besoin. Tu sais, Ford me disait toujours... La commandante Ford, pas le fondateur. Qu'un chef n'est pas la même chose qu'un héros. La place d'un chef est toujours parmi les gens. Je pensais que c'était une pique à son grand-père qui s'en allait tout le temps. Je commence à mieux la comprendre maintenant. Ok. Si t'as besoin de quoi que ce... Bon, au moins avec la grosse caillasse là. On n'est pas trop embêté. Améliorer une arme. Yep. On va même faire mieux, on va acheter une arme. La batteuse est très très chouette. On va voir si on a mieux. Que pute. Ah, ici c'est que amélioration. Ok. Faites gaffe là dehors. À qui on achète des armes? Mais c'est toi. Avec toutes ces rumeurs, je croyais que je te reverrais jamais. Ils ont dit qu'avec ce Ford, vous étiez parti et que vous aviez disparu. Et je t'ai plus vu depuis. T'étais où? J'aime bien ce qu'ils ont fait avec le texte. Mince, comment ça s'appelle? Enfin, de mettre un point médian partout, je trouve ça assez cool. J'ai accompagné Ford dans un vieil endroit rouillé pour qu'il réactive ce vieux cristal. Tu veux dire la grosse pierre brillante qui flotte là-bas? Beau a dit qu'elle pouvait te téléporter même vers d'autres mondes. Avant d'arriver ici, je me serais foutu ouvertement de sa gueule. Et depuis, j'ai entendu des histoires encore plus bizarres.
Et je vois dans tes yeux que c'était pas du flan, pas vrai? J'ai l'impression qu'ici, tout pourrait être vrai. Ils ont même soigné ma putréfaction. Je vais te dire, je suis à ça de commencer à croire aux contes de fées. Peut-être même au Père Noël et à Fulton's Blend. Alors ça va mieux? Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce que m'a donné Doc Nora, mais je m'étais pas sentie aussi bien depuis des années. Eh, si ça se trouve, c'était du Fulton's Blend. T'es revenu au monde normal? Oui, je suis mort contre le boss. Qu'est-ce que tu fabriques maintenant? J'angoisse quand je reste trop longtemps sans rien faire. Du coup, je suis allée dans les ruines et j'ai récupéré tout ce que je pouvais trouver d'utile. Je faisais juste le nécessaire pour survivre, tu vois. Je cherchais du matos à mettre de côté pour quand on se remettrait en route. Mais comme tu revenais pas et que Beau disait que les gens avaient besoin de ces trucs, alors j'ai ouvert une boutique. Du coup, si t'as besoin de quelque chose pour tes voyages, dans d'autres mondes, ou je ne sais quoi... Quand tu meurs, tu reviens en vie? Ouais, sur au checkpoint. Comme un... C'est comme un Souls. Du fer et des simulacres, excellent. Aiguille de fée génère automatiquement 10 de puissance de mode par seconde, dure 61 secondes. Je serai là à ton retour. C'est... Tu verras des fois Remnant t'appeler le Dark Souls avec des flingues, et c'est complètement ça. Fais-moi signe si t'as besoin de quelque chose. Non. Où est-ce que j'achète des flingues? Les trucs qui font pan pan pan. Que peut faire le bon vieux Rich? Je sais rien, moi. Tu vends des flingues? Quelqu'un vend des flingues dans le coin? Eh, au fait, combien on a d'emplacements d'anneaux? Bonne route. Oh, on a 4 emplacements d'anneaux. Yes. Modificateurs d'armes peuvent être équipés pour la plupart des armes à distance depuis l'inventaire. Yep. Reviens de temps en temps, d'accord? Mais pas trop souvent. Oula, oula. Viens au bord de l'avion. J'ai pas cru beau quand il a dit que vous étiez rentré dans le cristal. Tu vends des flingues, toi? T'as l'air de vendre des flingues. Bien au service. Ouais, tu ok, cool. Quoi? C'est vraiment cool qu'ils aient utilisé ce perso. Pistolet de chasse. Fusil à pompe automatique calibre 12. Mec, tu vends trop d'armes. Il m'en faut moins. Malgré son âge et son usure, constitue un rappel de la bravoure et du sacrifice de ceux qui ont combattu, même si les détails de leur décoration furent perdus dans les méandres du temps. Ok, je suppose qu'on en aura besoin. Carabine à verrou longue distance, très puissante, pression exceptionnelle, équipée d'une lunette à grossissement de x2,5. Meurtrier, chargeur 1.
va essayer un peu tout. Lance en acier. Oh, cool. Katana, ok. Bâton de récupération. Si on la lance. Très bien. Je mets le stream en grand et je passe en soum soum dodo, ça marche, pas peut se dire. Mettre fin à la plupart des problèmes. Ah, c'est toujours le même. Ah mais si on peut s'accroupir, ah cool. Ok. J'espère que tu fous pas la main. Ouais. Pouvoir manier ça? Prends pas exemple sur moi, sinon je serai obligé de te corriger. Je sais franchement pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on aille farmer un petit peu, que je vois comment je me sens par rapport à l'arme. Et puis c'est reparti. J'aime pas ça. Pour moi. Je veux dire, au moins il est efficace, mais ouf. C'est fini. Ouais. On va tenter le boss une fois avec. Et les 4 points de trait, voyons voir, 6 de santé, énergie, puissance de mode, recharge de talent. Ah mince, c'est vrai que du coup on a claqué toute notre thune. Ouais. C'est pas très malin. Ça arrive.
Ah, connerie. Bonjour. C'est tout ? Quand tu sais pas décider entre deux cibles, tu tires au mieux. Ça marche pour tout. On va vérifier maintenant. Putain, c'est vide. Un peu de balle. Comme il dit, putain, c'est vide. Ah, j'ai oublié de mettre la modification sur l'arme. Oh oh, oh c'est pas bon ça. Je vais y passer. Ok, ça passe pas. Wow. Ah, tu peux pas passer là sans déconner.
Yo, oh, bonjour. Incroyable. A menti. Mon sac est plein. Bon, je suis pas prêt. Hein, on va dire ça, je suis pas prêt. Oh, ok. Je reviendrai plus tard. Vache. Je vais me faire botter le cul tout le long du jeu, moi.